tu as fait vite. Oh, ça a pas l'air d'aller, vous. Elle est toujours pas passée, la gueule de bois, on dirait. Je plaisantais, Daniela. Dan, qu'est-ce que tu fais? Je suis désolé, j'ai pas le choix. Vous allez bien? Putain, Dan, mais qu'est-ce qui te prend? Moi, qu'est-ce qui me prend? Et toi, qu'est-ce qui te prend? Il est le diable et t'étais au courant depuis le début! Je n'ai jamais caché ma nature à qui que ce soit. Comment tu l'as su? Je l'ai vu l'autre soir. Avec Amenadiel et Charlie, je suis revenu et j'ai vu son espèce de tête rouge hyper flippante! Mais moi non plus, je n'aime pas beaucoup votre visage, Daniel, mais je n'essaie pas de vous tuer pour autant. Alors c'est moi le méchant dans l'histoire? Je suis venu pour te sauver, je voulais sauver notre fille, je voulais sauver le monde! Ok, Dan, je sais ce que tu traverses, je comprends. Moi aussi, quand j'ai appris qui il était, j'avoue que je l'ai assez mal vécu. Mais il n'est pas le monstre que les gens imaginent, c'est quelqu'un de bien. Mais c'est le... Tu peux me croire. Et malgré vos différends, je suis sûre qu'au fond, tu le sais, tu le connais. Ah, oui? Tu es invulnérable? Ah, c'est dingue! C'est dingue et vous êtes vous aussi, vous êtes dingue! Tu vas où comme ça? Je vais pas tirer sur quelqu'un d'autre si c'est ça qui t'inquiète, ok? Je veux juste m'éloigner de ce type! Il doit récupérer Trixie chez la babysitter. Vaut mieux que j'aille la chercher et que je la laisse chez ma mère le temps qu'il se calme. T'es pressé ou? Parce que quand il a une idée en tête, enfin, tu le sais aussi bien que moi.